Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors bienvenue dans cette vidéo. Alors là, je suis en train de voir pour le titre bébé de calculer ma taille de position pour tout simplement l'acheter parce qu'il n'est pas si mal ce titre bébé là. Il vient de grimper de 10%, il a déjà des volumes absolument énormes, environ 5 millions au moment où je vous parle. Là, je vais acheter 1000 titres, j'arrive pas à passer mon ordre, je vais le mettre au marché. Voilà, exécuter 1000 titres au marché, 1000 actions achetées au prix du marché. Donc, le stop, je vois un peu où je mets le stop, je suis en train de repérer. Voilà, ça casse, c'est parfait. Alors, regardez comme il y a beaucoup moins d'ordres de vente exécutés. Là, ça va, c'est assez prometteur. Ça devrait casser les 13 dollars, gros chiffre rond. Allez. Ouais, c'est bien. On est déjà à 80 dollars de gain. C'est pas violent, mais c'est très très prometteur là pour l'instant. Donc je tiens le coup. J'ai envie de sortir des fois. Hein. On a envie de sortir quand on voit ça, mais quand on voit aussi le chiffre à gauche là, que si entre 120 dollars de gain et 80 dollars de gain, faut faire attention. J'ai le doigt sur la gâchette. Voilà, 170, 180, 90, 200 dollars. Je vais vendre 800 titres sur les 200 dollars. Sur les 1000 titres, pardon, 220. Regardez, 230, 240, 270, 280. Allez, faut que je... Oh là! 114 dollars de gain. J'aurais pu prendre un peu plus, mais le pullback a été violent et... 10, 15 centimes avec 800 titres, ça fait une belle différence. J'aurais dû prendre normalement dans les 180 dollars quand même, mais bon, c'est pas grave. Un très beau trade quand même. Là, BA, j'ai envie de l'acheter ici avec un stop à peu près là. Et je suis en train d'attendre le bon moment pour le prendre. Il est un peu mou, mais les indices à droite se reprennent, donc ça c'est positif. Je suis qu'à moitié emballé par le titre, je vais encore une fois recalculer la taille de la position, grosso modo. Et je ne vais pas tarder à le prendre quand même, je pense, mais... Il est beau graphiquement, là, d'un point de vue intraday, là, d'un point de vue... voilà, j'ai été exécuté, ça y est, 150 actions. Mais ce graphique jour, tout ça, il n'est pas... Il est pas... Il est pas mal, mais... Ouais, je commence déjà à regretter de l'avoir acheté ici plutôt qu'un peu plus bas. Donc là, je suis déjà en train de penser à le refourguer ce titre. Même si les indices montent, même si tout ça, là, je suis pas très emballé. Voilà, je vends, allez hop, 27,50 $. C'est toujours ça de prix. Moins les 2 dollars à l'entrée, 2 dollars à la sortie. Voilà, bon, pour les ordres de bourse. Pareil, le titre AMC. Alors, voilà, je vais rentrer dans le titre avec 70 actions. Regardez, AMC, 86 millions de volume, si je lis bien. Il a pris 27%. Je l'achète un peu tard, un peu haut, mais bon, d'un autre côté, ça, c'est des titres qui sont capables de grimper beaucoup, beaucoup plus haut. Et je vous donne un petit secret. En cette journée du 2 juin, ce titre-là a touché les 70 dollars, il a fait presque 100% en une journée, et pas seulement grâce avec son gap, hein. Il y a eu le gap, plus tout le reste de progression du titre, c'est juste phénoménal. Mais là, au moment où je le prends, il n'est pas à la même heure, là pareil, il y a moins d'ordre de vente que d'ordre d'achat, mais d'un autre côté, je ne suis pas trop emballé non plus, alors vous allez me dire pourquoi je prends le titre, j'aurais dû l'acheter ici, c'est vrai, mais il a fait une... tellement grosse bougie impulsive à ce moment-là que je n'ai pas eu le temps de le prendre et je suis partagé entre le fait de ne pas rater l'opportunité et de le prendre à un timing un peu moyen. Donc du coup, tant pis, je l'ai un peu raté tout à l'heure et je vais sortir. Peut-être qu'il y aura une impulsion là qui va me faire gagner 90, 100 dollars, mais non, c'est pas grave. 27,30 $, c'est pas grave non plus. Il faut pas tenter le diable et quelques minutes après me donneront raison sur le fait que j'ai bien fait de sortir quand même. Sur l'action. Alors là, regardez bien, quand on parle de timing, 500 actions là sur le titre, vous voyez 500 actions, on le voit ici,
sur le titre bébé. Je vais le reprendre une seconde fois. Ça fait plusieurs pullbacks qu'il fait consécutifs. Et là, regardez bien la notion de timing, comme elle est importante. J'attends que le titre vienne m'exécuter. Ordre au marché. Voilà, ça y est. Boum. Tout de suite, on est dans le vert. Quand on a un bon timing, on est rapidement dans le vert. Et c'est ça qui est le plus difficile en trading, c'est le bon timing. C'est pas le fait de savoir si le titre ou pas va monter au sein de la journée. Je dirais que c'est, non pas que c'est facile, mais c'est, voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de le prendre au bon moment en risquant le moins possible. Et là, ça va bientôt toucher mon alerte. Ça y est, c'est fait. Donc, comme ça touche mon alerte, je suis déjà à 165 dollars de gain, 145. Je vais essayer de sortir avec 400 actions plutôt que 500. Parce que si le titre monte après, si le titre monte après, pourquoi pas gagner un peu plus avec la portion restante. Donc là, je vais m'apprêter à sortir, à dégainer la souris pour sortir. Voilà, hop là, sorti 96 dollars de gains mis de côté également. Donc si vous avez envie de recevoir des vidéos inédites, même si j'en fais très très peu, je dois reconnaître, mais au moins d'être alerté quand je fais des séances de trading live direct YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner au cercle privé. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça sera déjà très bien en cliquant sur la petite cloche pour être informé dès qu'une vidéo va sortir. Donc vous voyez, j'ai mis un ordre stop là sur les 100 titres restants. Et je fais un peu le bilan de la journée. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 trades gagnants, une perte. Il est presque 17, 16h30, donc une heure après l'ouverture. Pour info, je me suis fait toucher mon stop de 15 dollars là après. Mais c'est pas grave. Et après le titre, c'est pareil, il a touché les 16 dollars, c'est incroyable. 263 dollars, toujours sur le même compte réel, bien sûr. C'est une excellente journée aussi pour moi. C'est très bien, enfin, c'est une excellente journée. C'est une bonne journée pour moi de trading là. Et bébé a grimpé beaucoup plus que ça ensuite, même s'il m'a stoppé. Bon, pareil, mettez-moi un maximum de pouces si la vidéo vous a plu. Et puis, pareil, si vous voulez apprendre le trading, eh bien, allez sur mon site internet et puis prenez un rendez-vous téléphonique avec moi. Qu'on discute ensemble de voir si ça peut vous plaire, vous correspondre, parce que vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent en trading à condition de savoir comment faire. Je vous le disais tout à l'heure, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, vous reverrez encore plein de vidéos de trading comme ça sur les US, de trading réel. En tout cas, merci de m'avoir suivi, comme d'habitude, excellente journée à vous et à bientôt.